Et voilà les amis, info musique au nouvel album qui est sorti au mois d'octobre en version digitalisée, vient de paraître et donc est disponible soit en demandant un message privé, soit sur Bandcamp en version digitalisée, ou soit sur le label du groupe, du projet Balcross, indépendant label. Je mettrai le lien en description d'ailleurs. Bon, vous avez la magnifique pochette. Bon, ça c'est fait maison. C'est fait maison. Toutes les pochettes, je les fais moi-même. Alors là évidemment c'est passé sur. C'est du pressage, hein, donc c'est vraiment du papier photo. Hein, voilà. Les CD qui sont là. Alors moi j'en ai le 20ème sur la 50ème, donc le reste c'est le label qui les a. Et là, la magnifique photo de moi, un peu moins, légèrement moins beau que, enfin voilà, ça c'est dans le style de musique, on est maquillé avec nos rouges chaussures, avec voilà, donc ça c'est la pochette de l'album. Là on a derrière le titre. Voilà. Bon, ça c'est le deuxième chapitre. Et le premier qui est déjà disponible depuis un petit moment aussi. Pareil également sur Bandcamp. Également sur. Chez moi il m'en reste un de disponible, j'en garde un quand même pour moi. Et bon, ça c'est le premier, bon, ça c'est le sixième album qui est sorti en 2018 et labellisé en 2019. Et bon, cette année, octobre 2019, le chapitre 2 qui est sorti. Bon, voilà, quand je regarde ça, je suis fier d'avoir réussi dans ce projet-là, parce que ça fait le petit âge de 14-15 ans, j'ai commencé réellement à faire de la musique en groupe, voilà, et 15 ans après, j'ai enfin réalisé mon rêve, qui a été de la labelliser, enfin, d'avoir un CD concret dans la main, publié par un label. Et donc ça c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. C'est là où, quand je vous dis, croyez en vos rêves, que dans la vie on peut tout faire, on peut faire ce qu'on veut, il faut juste s'y donner les moyens. Alors je vais pas donner de leçon morale à faire, mais voilà, on a tous notre montagne à gravir, et puis on a tous des projets dans la vie, enfin, pour la plupart des gens, on a tous des objectifs, et puis moi, c'est ça, réussir mes objectifs, mais réussir au maximum, et parce que il faut croire en ses rêves, ça c'est une des choses les plus importantes, je dirais, croire en ses rêves, parce que c'est possible, et concrètement, cette année, avec la chaîne, on avait passé les 10 000 vues. Avec cet album qui est une particularité pour moi, parce que c'est mon préféré. C'est vraiment. Il est vraiment génial, cet album. Alors, oui, bah, évidemment, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui le dis, mais j'ai jamais fait 5 autres avant et qui sont. Ils sont bien, mais ils sont. Voilà. Là il a quelque chose de spécial à mon cœur, et la suite est pas mal aussi, il est bien foutu aussi, bien sûr référence pour celui là mais les deux se suivent correctement et une bonne cohérence, et les deux sont parfaitement différents, mais
Voilà, c'est tout pour la suite de l'eau. Et voilà, je suis très fier, très content de d'avoir ça enfin. Maintenant, il va falloir juste me mettre en boîtier. Voilà, je peux travailler. Pour ceux que ça intéresse sur la chaîne, je pourrais dédicacer aussi et envoyer le CD. Voilà, avec ma magnifique photo. C'est une photo une de mes préférées. Il y avait celle-là aussi. Bon, oui, c'est moi. Voilà, mais voilà. Bon, il faut toujours croire en ses rêves, toujours croire en ce qu'on peut faire. Et encore une manière de vous montrer concrètement ce qu'on peut faire dans une vie et ce qu'il est possible de faire. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, mes amis. À bientôt. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que les solutions. Ciao, les amis.